Bonjour, merci de vous être connecté. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui chez Euronext à l'occasion de la cérémonie d'introduction en bourse de Médicis Pharma. Seven, six, five, four, three, two, one. Félicitations à Jean-Claude Morel, ses équipes et leurs conseils pour le succès de l'introduction en bourse de Médicis Pharma sur Euronext Growth. Fondée en 2003 par son dirigeant actuel, entrepreneur depuis 30 ans, Médicis Pharma a reçu un important soutien des investisseurs et notamment des particuliers, convaincus par l'approche multiproduit. Votre introduction en bourse va permettre de financer le lancement de 3 essais cliniques dès 2021 et ainsi accélérer la lutte contre les maladies dégénératives et respiratoires. Aujourd'hui, vous devenez la 118e société cotée sur les marchés d'Euronext en sciences de la vie et rejoignez une communauté de plus de 1150 PME ETI cotées. Euronext, c'est également plus de 1600 gérants actifs sur les valeurs petites et moyennes, appuyés par le retour des particuliers en bourse, tous à la recherche de rendement et de sens. La bourse a un vrai rôle à jouer dans la croissance et l'indépendance des PME et les entrepreneurs de nos régions. Encore bravo et bienvenue à Médicis Pharma sur nos marchés. Je passe désormais la parole à Jean-Claude Morel. Merci Camille et bonjour à tous. Notre société Médicis Pharma développe des nouveaux médicaments pour traiter des maladies graves dépourvues à ce jour de traitements efficaces. Tous nos développements reposent sur une technologie de délivrance d'administration et de délivrance des médicaments, une structure de micelle inverse des nanogouttelettes d'eau qui contiennent l'actif pharmaceutique autostructuré dans des lipides très spécifiques. Le produit final, en fait, est déposé sur la muqueuse de la bouche, est absorbé, transporté par des lipoprotéines et délivré directement à l'intérieur de toutes les cellules de l'organisme. Nous avons 4 produits en développement clinique, un pour traiter la maladie d'Alzheimer, un pour traiter la maladie de Huntington, deux produits pour traiter le Covid-19, un premier produit pour traiter les formes graves avec les états de détresse respiratoire aiguë et un autre produit qui est un antiviral spécifique avec un petit ARN interférent qui cible le génome du virus. Tous nos développements nous ont amené à voir 15 publications scientifiques et également 9 brevets internationaux. La cotation sur Euronext est un élément important pour l'entreprise et en même temps cohérent avec les financements historiques de l'entreprise qui ont toujours été faits auprès d'actionnaires privés. Cette introduction et cette levée de fonds sur Euronext va nous permettre d'accélérer tous nos développements cliniques, également nous permettre de devenir visibles sur un plan économique bien sûr, mais également auprès des laboratoires pharmaceutiques qui constitueront pour nous des partenaires potentiels importants. Je souhaite remercier les investisseurs privés et professionnels qui ont permis le succès de cette opération et également remercier donc nos partenaires pour cette réalisation, la société Invest Securities et l'agence Calyptus. Je souhaite remercier également évidemment nos équipes et nos investisseurs qui ont longuement patienté pour que l'entreprise arrive à ce stade-là. Merci beaucoup.